entend bien sur le live. La musique est pas trop forte. Le micro est assez fort. Entendez pas là? Est-ce qu'il y a un décalage? Si je baisse. Je comprends pas. Que sur baisse, c'est bon, on m'entend, mais ça retransmet pas. T'entends vraiment rien du tout là? Vraiment rien. Mais je peux pas monter mon micro, je crois. Attendez. Parce que là c'est mieux. Là j'ai monté à plus. Là oui. Ok. Non mais c'est. Je crois que les paramètres se sont un peu réinitialisés. Du coup. Ce que j'avais mis a été. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est. Alors. Bah je baisse la musique, c'est bon. Là c'est bon. Bah, ta voix est pas assez forte car je suis quasi à fond en volume. Alors attends. Là c'est mieux. Là je peux peut-être encore faire plus, mais quand même c'est... Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, là. Sur OBS, hein. Là, ça va? Ok. Bah ouais, mais j'ai un problème. Bon, je verrai ça plus tard au niveau de mon micro. Peut-être que je changerai de micro. Parce que là, en termes de débit, si je monte encore... À 30. 25. Là, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Là, c'est très bien. Ok. Donc, ce soir, je vais jouer à. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Realm Grimdors. On va dire que ça se prononce comme ça.
Donc c'est un cliqueur, hein. C'est un cliqueur. Donc j'ai déjà commencé hier après-midi. J'ai un petit peu beaucoup farmé. Voilà, ça fait. Et quand on est en absence, là, vous pouvez voir, ça farme quand même. Là, ça fait 21 heures à peu près hors ligne et j'ai pu gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Des pièces de faction. J'ai expliqué un peu comment ça marche. De la mana, des clics effectués. Bon, les clics, je vais pas faire beaucoup, hein. Donc, je vais expliquer, mais je connais pas tout encore. Là, à droite, c'est les bâtiments qui permettent de faire de l'argent passif. Et augmenter au niveau des clics, des fois aussi. Là, qu'on améliore, donc là, je suis ferme 351, auberge 311. C'est pas ouf parce que là c'est je suis qu'au début. Alors il y a de la mana, on récupère de la mana et puis on peut faire des sorts. Là ce sort là apporte instantanément l'équivalent de 30 secondes de production de pièces sur vos bâtiments et assistants. Bon, je dis pas trop, je crois qu'il faut cliquer. Un truc comme ça. Augmenter la production de tous les bâtiments en fonction du nombre de bâtiments que vous possédez pendant 20 secondes. On gagne 611% en plus par rapport à ce qu'on a de base. C'est plutôt pas mal. Augmente les récompenses de kiss de 1750 pendant 10 secondes. Ça, je fais pas trop. Et celui-là, je fais beaucoup. Là j'ai un petit bonus que ça se met automatiquement. Genre quand ça atteint, faut consommer là pour celui-là 1000 mana. Quand il atteint 1000 mana, ça augmente la production des fermes, auberges et forgerons de 500 000%. C'est beaucoup. Et ça pendant 10 secondes. Juste 10 secondes. Vous allez voir, c'est juste énorme. Là, on peut améliorer certains trucs. Donc ça, c'est toutes les pièces que je possède. Ça, c'est ce que je gagne toutes les secondes. En termes de pièces. Ça, c'est les gemmes. Alors, oui, chaque gemme augmente votre production générale de 2%. Toutes les gemmes augmentent vos chances de trouver des pièces de faction, je vais expliquer tout à l'heure, de 3%. En indiquant maintenant que vous. Ah oui, là, je vais gagner 19 193 gemmes, qui augmentera votre production de 30. Ouais, beaucoup. Et ils disent dans combien de temps j'aurai une autre gemme. Alors, cette gemme-là, là, c'est ce que j'ai actuellement. Et si je fais un reset, voilà, je vais avoir plus de 19 000. J'ai dit 500 000 ? Pardon, j'ai dit 500 000. Les rubis, j'en ai jamais eu. Je sais pas comment on les récupère, les rubis. Augmente actuellement votre... Les rubis sont une ressource rare qui peut être tous les aspects, leur accumulation, débloquage. Ça, c'est, ça se trouve, ça c'est un truc à acheter à la boutique. Ouais, ça, c'est un truc à payer. Je vais pas acheter. Ah, mais même, tu sais, 50 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça aide beaucoup à avoir ça. Surtout là, bon, c'est là, il faut beaucoup pour avoir une pièce. Et j'ai des assistants, donc les assistants vous aident à récupérer des pièces et des pièces de faction
passivement en fonction de votre récompense de clic et de vos chances de trouver des pièces de faction. Même si vous êtes en ligne, vous pouvez obtenir d'autres assistants en achetant les deux premiers niveaux d'amélioration de bâtiment ou avec de nombreuses autres améliorations par la suite. Vous avez 40 assistants qui produisent 530,2, je sais pas ce que c'est le T. C'est milliards, je crois, je sais plus. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté comme amélioration. Donc faut choisir une faction. J'ai choisi la faction féerique. Vous allez voir d'autres factions. Donc ça, c'est les pièces de faction que je possède. Alors, j'ai farmé avant, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Et en hors ligne aussi, j'en ai obtenu. Et vous pouvez voir, ça augmente pas mal. Au départ, ça monte très très peu. Donc là, ça coûte 5000 pièces de fées qui augmentent la production de tous les bâtiments. Ok, donc je vais faire ça. Ça, ça augmente les récompenses de base de clic. Bon, je vais le prendre, mais ça me sert à rien. Je vais pas cliquer. Récompense de clic. Augmente la production en ligne. C'est pas mal, mais... Et là, je peux acheter la mana de plus de 0,50. Ok. J'augmente de mana de par seconde. Et je peux faire ça. Donc, ça permet d'échanger des pièces de faction contre... ça augmente la production de tous les bâtiments de 11% en plus de tous les autres échanges royaux. On peut être échangé plusieurs fois, mais le coût augmente à chaque fois. Voilà, c'est... Alors, j'ai pas utilisé les fées parce que c'est ma faction. Et j'en aurais sûrement besoin. De toute façon, j'ai peut-être reset là pour récupérer tout. On va voir. Bon, déjà, ça a augmenté pas mal. Hein. Ça a augmenté pas mal. Alors, j'ai augmenté les bâtiments. En général, je fais là où on a plus de niveaux. C'est pas la meilleure méthode, mais moi j'aime bien avoir un bâtiment très très haut, tous les bâtiments très haut élevés. Donc dès que un bâtiment peut être monté de niveau beaucoup plus que les autres, je le fais. Voilà. Et là, bah on attend. On attend que ça monte. Voilà, c'est intéressant. Très très intéressant. Non mais... Ça a l'air pas mal quand même. Il y a des missions. Pas exactement, en fait, t'as des trophées. Comme là, j'ai acheté toutes les améliorations fées, acheté... Bah, fée, oui, parce que bah, je fais tout le temps fée. Je vais expliquer après quand je vais résister. Ça, c'est acheter toutes les améliorations des factions. J'ai pas vu, j'en ai vu que 3 factions là actuellement. Peut-être quand je vais reset, je vais avoir les 3 autres. Là, j'ai gagné pièce en une seule partie. Gagné QI. Après, je. Ça augmente et je connais pas les nombres, milliards de millions. Voilà, cliquer en arrière-plan 100 000 fois en une seule partie. Apparemment, j'ai cliqué 100 000 fois. Ah, bon. J'ai gravement été aidé parce que ma souris a un double clic. Merci Ténébrux. Ayez 50 assistants. Trouver 5 un artefact, gagner 5000 gemmes. Enfin voilà, c'est pas des missions, c'est des trophées. Et dès que tu l'as, bah c'est bon.
Mais ça, je crois que ça te rapporte rien au niveau du jeu. Mais ce genre de jeu est très très addictif. Très très addictif. Donc là, je vais reset. Je vais reset. On va peut-être attendre. On va attendre les 1000. Vous allez voir là, je vais atteindre les 1000. Et là, ça va remonter très vite. Regardez. C'est énorme. C'est énorme. Pendant 10 secondes, j'augmente mes gemmes, mais d'un truc dingue. Après ça, je sais pas. J'ai pas tout vu. Il n'y a pas d'événement. Ça, c'est pour aller sur le site. Les trophées, j'ai pas tout regardé, mais. Enfin, les trophées, j'en ai fait, voilà, 112 sur 899. Alors que j'ai jamais regardé, j'ai réussi à faire plein de trophées. Voilà. Donc, on va reset. Avec les gemmes, donc j'ai plus. Je vais gagner encore plus et plus rapidement. Donc, au début, il faut faire des clics. J'utilise le double clic, hein, je triche un peu. Et voilà. Pouvoir, voilà. Oui, faut cliquer pour avoir les pouvoirs des gemmes, et voilà. Vous allez voir, j'ai que le niveau 1 à la ferme. Et je gagne déjà 1021 par seconde. Parce que je suis allé très loin. Après, au début, c'est très très long, il faut cliquer. Et encore là, sur ce jeu-là, ce jeu de cliqueur, j'ai pas trop trop cliqué. Hein, ça va. Abonnez-vous au camp du bien, débloquez les fonctionnalités correspondantes. Ok. Ah oui, c'est pour ça que j'avais pas vu les autres, je viens de comprendre. Et en fait, il y a le bien et le mal. Et du coup, le mal, j'ai pas vu. Je lis trop vite. Enfin, je lis pas tout. C'est ma faute, c'est ma faute. Donc là, c'est les trois factions du bien que je dois choisir. Donc, je vais choisir les fées, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, les fées se concentrent sur les petits éléments ordinaires pour leur donner des pouvoirs magiques. Vous affiliez avec la faction des fées augmentera grandement la production des bâtiments de rang inférieur. L'achat de cet amiral vous empêchera de rejoindre une autre faction. Oui. Ça augmente continuellement les récompenses de clic. Donc, comme je ne veux pas cliquer, ça sert à rien pour moi. Et ça, gagner la puissance magique presque illimitée. J'ai testé, c'est pas ouf. Personnellement, je préfère les fées. Ça, et comme vous avez vu tout à l'heure, il y a le sort à 1000 mana. Ça augmente les gemmes, mais très très haut. On va augmenter ça. Mais bon, on fait pas grand grand chose. Mais ça a quand même un peu de stratégie pour monter vite sans rien faire. Voilà, j'ai déjà 4 assistants. Voilà. Ah, j'ai déjà 1 780 000. Voilà, je fais déjà 1 million par seconde. Bon, là, vous voyez, ça monte très très rapidement, mais au départ, vraiment, c'était rien du tout. C'est parce que j'ai beaucoup beaucoup de jeu. Non, non, je suis pas. En fait, tu peux monter la mana, je pense, infiniment. Je pense. Et là, en plus, là, ça vient d'augmenter. Je gagne plus. Attends. Toutes les gemmes augmentent vos chances de trouver des pièces de faction à 4%. Avant, c'était à 3.
Tu peux utiliser des trucs avec. Bah là, j'ai pas. Je. Non, apparemment là, non. Peut-être plus tard, peut-être ça sera ça. Parce que là, je peux rien faire. Ou peut-être que le jeu, il est pas encore assez développé pour. En haut à droite. Où ça? En haut à droite? Où ça? En haut à droite. Là, je. Après, peut-être que j'ai pas vu qu'on pouvait. Ça paraît logique qu'on puisse utiliser les gemmes pour améliorer des trucs, mais en haut à droite, y a rien. Est-ce que tu t'as confondu la droite et la gauche? Alors, je vais utiliser ça. Effet. Parce que là, je. Non, je. Je n'ai pas. Le rond bleu. Ça. Ça, c'est la mana. Ça, c'est la mana. Ça sert à faire les sorts. Et ça n'a rien à voir. C'est un autre truc, la mana. Parce que vous allez voir, là, je fais ça. Et là, j'augmente les pièces. Ça, c'est encore un autre truc, la mana. Ouais, c'est. Ouais, voilà. T'as dit ce que je parlais. Mais là, non, la mana, c'est encore un autre truc. Alors, je vais utiliser ça, parce que ça permet de faire un sort automatique. Faire contrôle-clic, et voilà. Quand j'atteindrai les 1000 mana, à chaque fois, ça lancera ce sort et je vais gagner plein d'argent. Mais là, je dis. Même ils disent pas ce que si on peut les utiliser ailleurs. Peut-être qu'il faut, je sais pas, 100 000. Je ne sais pas. Peut-être que j'utilise. Donc j'augmente les bâtiments. Hein. Après, ce jeu vraiment est très très addictif. Hein. Les jeux de clicker sont très très addictifs. Jeux de gestion aussi. Les jeux de gestion aussi? Je sais pas, ouais, mais ça m'attire pas plus que ça les jeux de gestion. Moi je suis plus clicker que jeu de gestion, même si c'est un peu de la gestion, mais vite fait. Hein. Ça m'a l'air un peu. Ouais, c'est un peu, mais. Genre vraiment très très. Un clicker, c'est vraiment. T'augmentes tes bâtiments et tu. C'est vraiment infini. Genre sur un jeu de gestion, je crois que t'as une limite de ressources. Là, t'en as pas. T'as vraiment aucune limite. Et c'est ça qui est. Bah, j'adore. Je veux aller encore plus loin et pas avoir une limite de jeu. Oui, s'il y a une limite, c'est vraiment une limite super grande que, enfin, faut vraiment farmer, farmer, farmer pour atteindre la limite. Voilà, faut juste là, on augmente. Là, ça fait, je crois. Au deuxième reset où j'ai eu ce sort, je crois. Ou le premier. Et ce sort, bah. Enfin, ouais, cette amélioration, amélioration qui fait automatiquement les sorts. C'est trop bien.
Par contre, tu ne fais vraiment pratiquement rien. T'attends. Voilà, j'ai une amélioration. Bon, là, ça va très vite parce que j'ai, voilà, j'ai beaucoup de gemmes, mais au départ. Quand j'ai fait ça hier tantôt, bah, je faisais des trucs à côté, hein. En général, ce genre de jeu, c'est pas le jeu où tu restes vraiment à fond 100% dessus. Tu fais des trucs à côté. Parce que tu peux pas faire, tu peux pas trop rester à attendre. Surtout au début. Yep, tu y joues un peu et plusieurs fois par jour. C'est ça, oui. C'est ça, c'est quand t'as une petite pause, hop, t'allumes, t'améliores et après tu t'en vas. Mais c'est un peu fait pour ça parce que voilà, au début du live, vous avez vu la petite fenêtre qui indiquait, voilà, quand vous étiez absent, vous avez gagné tant, tant, tant. Ah, après, ce genre de jeu, c'est pas mal. Hein. Des pièces là. Mais moi, j'adore. J'adore ce genre de jeu. Ah, si vous voulez voir ma ville, elle est très belle. Hein. Elle est tout le temps la même. On ne peut pas placer les bâtiments où on veut. Ça, c'est dommage. Ce serait pas mal de placer les bâtiments où on veut. Peut-être faire des. Je sais pas. Comme. Bah, les jeux de gestion, tu places les bâtiments où tu veux et tu fais un petit décor, quoi. Mais bon. J'ai 19 assistants quand même. Ça monte tellement vite comparé à hier. Il me faut 500 pièces. 500 pièces de fées. Ah oui, là j'ai le sort. Ça monte trop vite. Je prends toutes les améliorations, même les clits. Parce que ça m'arrive de faire comme ça. Voilà, ça m'amuse de faire ça de temps en temps. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. Je préfère attendre et ça monte tout seul. J'ai déjà bientôt commencé à gagner des gemmes pour le prochain reset. Déjà.
Angelica, faut que je fasse ma vaisselle. J'ai mis de manger. C'est parce que t'as pas encore mangé. Oh. Ouais, de toute façon, tu vas rien rater. Hein. Je vais juste augmenter mes bâtiments. Bah, tu m'as envoyé un message quand j'étais en train de manger. Ah bah désolé, ah bah désolé, je t'ai coupé en mangeant. Donc je vais pas quitter le live dès le début. Oh, c'est trop gentil. Oh, quelle politesse. Oh là là. Bah, allez, va manger, tu vas mourir de faim, d'anémie. Ça se bloque à 99 ou ça monte à 100? Non, 99, ok. Ok.
Re-Ténébrux. Et ben, pendant ton absence, j'ai eu 85 gemmes pour le prochain reset. Et je gagne beaucoup plus d'argent. T'as tout raté! Ah, bravo! Mince, oh là là. Du coup, ça va beaucoup moins vite parce que c'est tout mon sort là qui fait tout, qui augmente, mais genre, mais d'un coup. Genre, quand tu l'as, t'es content. Et plus j'avance, plus je l'ai rapidement. Parce que j'ai vu au départ, j'avais, je crois, la reset, j'avais 2 par seconde ou 1 par seconde. Et là, j'ai 7,44 mana par seconde. Du coup, ça augmente plus vite. C'est bon. Et là, ça monte d'un coup, là, les gemmes. Voilà. Ouais, c'est pas... C'est un jeu... Si tu joues pas trop au clicker, c'est pas super super passionnant. Moi j'adore. J'adore. Après c'est long. Très long. Surtout au début. Si tu aimes bien, c'est le principal. Ah bah oui. Moi j'adore ce genre de jeu. J'ai joué pendant plusieurs années à Clicker et Rose. À ton grand désespoir. Ils ont même fait un 2, mais il faut acheter. Je crois que le 2 est sur Steam, mais faut payer je sais pas combien. Je sais pas combien il coûte. Ouais. Il coûte à peu près 25 euros. Voilà. Un peu cher. Un petit peu cher. Clicker Heroes 2. C'est le jeu que je jouais avant. Et ils ont fait un 2 où le design est un peu plus mieux. Là, tu vois vraiment un personnage frapper sur les mobs. Et ben, il coûte 25 euros. Peut-être que j'y jouerai quand je serai très riche. Mais là, j'ai pas l'intention de payer 25 euros, même s'il a l'air vraiment bien. Le premier était pas mal et là le design est mieux, ce qu'on peut voir. Et l'arme du héros, et ben c'est une souris. C'est la souris là, le pointeur de la souris. Non, ou le curseur. Comment c'est, je sais plus comment ça s'appelle. La petite flèche. Et ben c'est ça son arme. Du coup, c'est bien pensé. Mais bon, 25 euros, c'est cher. Quand même. Quand même. Pour un cliqueur, c'est cher. Je trouve. Après, peut-être qu'il y a d'autres contenus qu'on n'a pas encore vu. Mais bon, voilà. Peut-être cacher des trucs. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, c'est plutôt pas mal la fibre. J'ai aucun drop. Aucun drop. Zéro. Alors pour ce genre de jeu, ça sert pas à grand chose la fibre. Mais bon, je tiens à le préciser.
500 places. Ça va trop vite. J'ai déjà 200, 242. J'aime. Ça va trop vite. Ça commence à être long. Pas grand chose à faire. Peut-être échanger mes pièces, mes autres pièces. Voilà, un peu plus à gagner. C'est toujours ça. Ah, mais ça montait d'un coup là! J'ai déjà 1000! Ce sort est trop trop bien. Ouais, c'est les échanges là, ça montait, mais. Beaucoup, mais. La production, ça augmentait beaucoup ma production du coup. Ah, et puis mes assistants, ils travaillent plutôt pas mal. Déjà 2000. Ah, ça monte vite, ça monte super vite. Il y a le sort qui va bientôt arriver. Déjà 3000. Là, 4000. Est-ce que je fais 4000? Ouais, je fais 4000. Là, ça va venir encore plus vite le sort.
auberge. Ça, c'est la mana. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal que ça monte un peu plus vite.
Ah, elle me dit rien du tout, je sais pas. Sais pas ce que ça. À quoi ça sert ça encore? Nous avons dépassé les 20 000 gemmes. 21 000. Incroyable. Merci. Et bon. C'est celui-là. C'est un peu long là. C'est que au sort que ça monte. Champ d'effet là. Dire que c'est pas mal. Juste ça dure 10 secondes. Mais ça te rapporte un bénéf. On va augmenter. Ouais, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Vingt-deux mille. Bon.
atteint les 30 000. Sérieusement. Je suis déçu là. T'as pas atteint les 30 000. Tous les 30 000, allez, allez, va plus vite, on va plus vite. Voilà. Quelques clics. Quoi ça? Ok. Moi, je veux des pièces. Hein. Là, je veux les 500, 5000 pièces là, les 5000 pièces. C'est long.
Ah oui. Non, ça c'est... pas si c'était mieux ça. Tant pis. Je pense que je vais m'arrêter à 50 000 et je vais reset. Comme ça va doubler. Je vais doubler ça. Après, on fera 100 000 après. Je pense que c'est pas mal comme idée. Je ne sais pas. Mais je pense que. Devrait être pas mal de faire ça. Après, non, si. Les 50 000, ça va faire 75 000. Je vais encore doubler ça, donc c'est encore plus. Je sais pas compter, c'est pas grave. Me suis compris. Ouais, ça montait pas mal ça en fait. Salut Bobodel. Salut à toi.
Bah, tu peux baisser ta résolution, Bobodel. Hein. Tu peux réduire la résolution du live. Hein. Y a pas de souci. Hein. Ouais, je sais, pour un jeu comme ça sert à rien d'avoir autant de résolution. Mais toi, tu peux changer la résolution. Et normalement, la qualité du son ne changera pas. Je peux comprendre que ça fasse bugger. J'ai connu ça aussi. On était presque à 50 000, presque. Non, malheureusement, je peux pas choisir. Je peux choisir auto ou 1080. Ah, je. Du coup, vu que je mets à fond, les autres, les gens ne peuvent pas choisir. Mais du coup, auto, ça te met automatiquement 1080p en auto. Je pensais qu'on pouvait choisir, c'est bizarre. Attends. Je regarde. Du coup, le son. Ah ouais. C'est bizarre. Je comprends pas. Sur les autres streams, j'arrive à choisir. Bah, désolé. Je suis vraiment désolé. Faudra que je regarde ça. Je sais, si je regarde un autre stream, bah, je peux baisser la qualité. Mais là, c'est vrai que sur mon stream, on peut pas baisser la qualité. Je m'excuse. Vraiment désolé là, je. Peut-être qu'il faut que moi je paramètre un truc pour que les gens puissent avoir moins. Là, je sais pas. Je vais faire un reset, je suis à 53 000. C'est le double là, hop. Et là, ouais, je gagne le double. Essayer démon. Ah, ça change la map. Ça change la map. Donc là, on bénéficie d'une plus grande quantité de tout. Alors, sont excellents négociateurs et négociants. Avec la faction, vous offrira des occasions économiques et vous permettra de baiser une cité de quantité de tout, ok. Vous sont résistants et un dégâts, mais surtout ils se peuvent pas mourir. Vous avez des afflux de production continue qui montrera de manière
drastique au fil du temps. Pas grave, bonne soirée. Bonne soirée à toi, Bobodel. Je suis vraiment désolé. Production de bâtiments de rang supérieur. Là, honnêtement, je sais pas lesquels sont les meilleurs. Pour moi, je vais essayer si ça augmente les bâtiments. Je vais essayer ça. On verra bien. Hein. De toute façon, faut tester. Ça donne quoi, montre le prix. Et là, alors, augmente la production forteresse monétaire. Non, en fonction de votre quantité de trophées pendant 20 secondes. Ah oui. Comme j'ai pas mal de trophées. Faudrait cette amélioration là. Et ça serait parfait. Après, c'est beaucoup moins que tout à l'heure, mais bon. Bon. C'est bon, hop.
Du coup, si j'ai pas mal de trophées, ça peut faire le même sort, mais enfin la même quantité de l'autre sort, mais en 20 secondes. Ce serait plutôt pas mal, mais pour ça, il faut augmenter les trophées. Voilà. Plus de musique, ok. Ça se met en pause sur YouTube. Normal. Normal. Ils m'ont laissé quand même 5 000 pièces de fée. Ok. Et du coup, je gagne plus de trophées parce que j'ai changé de faction. Je gagne tous les trophées de l'autre faction. Du coup, ce sort va être pas mal.
Combien de trophées? 145 sur 800. Quand même, imaginez si on a tous les trophées, ce qu'on peut gagner. N'empêche. Si on arrive à avoir tous les trophées. Truc énorme. J'essayais de faire tous les trophées, mais c'est juste pour ça. Juste pour avoir ce sort là super fort. Mais bon, ça va être super long. Il me faut 500 pièces. C'est ceux-là, évidemment, là où il y en a de moins. Bien sûr. Évidemment.
Ça monte moins vite. Bientôt le sort et ça va. Un gros bonus. Ça fait pas grand chose. Ok, je suis déçu. Je pensais gagner plus là avec les améliorations, mais là, ouais, pas ouf. Enfin. Je crois que le dernier, c'est justement les 5000 pièces. Ça, je pense que je pourrais le faire, mais bon, pas trop la peine. Autant faire ça, et là, ça augmente de pas mal. Voilà. Attention, le sort. Oui, là, là, ça, ça a doublé. Ok. Ok. Pas mal. Ah, là, les 5000, c'est chaud. Ça monte vite, même s'il n'y a pas le sort. Hein. N'empêche.
J'ai passé les 1000. Les 1000.
Ça monte très très vite. Très très vite. Je sens que là je vais pas arrêter, mais il faudrait que j'arrête. Vraiment. Bon, je vais arrêter la live, ça fait quand même plus de 2 heures, j'y suis. Je vais voir si demain je continue ce jeu ou je passe sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Où je peux faire les deux en même temps. Par exemple, faire un duel et entre les duels, je améliore les bâtiments. Je peux faire ça. Oui, je sais que t'aimerais bien, hein. Mais ce jeu est tellement bien aussi. Je pourrais voir si je peux faire les deux. Et par contre, sur Twitch, je peux pas mettre les deux jeux en même temps, mais bon. Du bien choisi, alors. Oui. Ce jeu, mais vraiment, c'est... De toute façon, les jeux de clicker, j'adore tellement que... Enfin, je peux y passer des heures. Vraiment, des heures. Celui-là, là, ça va monter beaucoup, là. Hop. Voilà, j'ai augmenté, là. J'ai augmenté.
Mais ouais, je vais voir si je peux faire les deux en même temps et voir si ça vous intéresse aussi, hein, parce que... Là, ça monte aussi. J'adore tellement ce jeu, mais bon, je travaille demain, donc il faut que j'arrête. Bon, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, nuit. Parce que là, c'est bientôt la nuit quand même. Et je vous dis peut-être, ouais, je pense à demain. Demain, je fais ça. Je joue à Yu-Gi-Oh! Et à ce jeu que je peux pas prononcer parce que je suis nulle en anglais. Mais voilà. Je vous dis à demain. Allez. Salut! Thank you.